Lance Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, évitez les bouchons et prenez le bus pour aller au stade. Plus d'infos sur tadao.fr. Bonjour à tous, bonjour les amis, merci de nous avoir choisi pour terminer la semaine. Vous avez choisi Lance Foot, vous le savez, l'émission 100% Racing Club de Lens, et ici, c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Nous sommes en direct et en live, s'il vous plaît, c'est pareil, direct et en live, hein, je voulais dire en direct et en simultané, sur YouTube et sur Facebook. Vous réagissez à l'émission en mettant vos petits commentaires, on ira très régulièrement prendre la température, voir un petit peu ce que vous dites ce soir pour une émission qui va être riche. Vous vous en doutez, on va parler de Jonathan Clauss. Mais avant, nouveauté dans l'émission, vous voulez apparaître dans l'émission, venir quelques instants, donner votre avis, poser une question à la Dream Team, rejoignez-nous en cliquant sur le lien que vous trouverez dans les commentaires qu'on vous a mis en tout début d'émission, YouTube et Facebook. Et tout à l'heure, tiens d'ailleurs, on me dit qu'il y a déjà un supporter là qui est en salle d'attente, il va arriver dans quelques instants. Mais avant, nous allons accueillir la Dream Team de cette émission pour cet avant-match. Monsieur Sylvain Charlet de France Bleu Nord qui est malade. Ah bah ça commence bien. J'ai la grippe. Ouais, Jingle. Ah. Fofana qui rentre dans la surface. Fofana, il va armer. Il frappe. Poteau but. Poteau but. Poteau but. Poteau but. Poteau but. Il va la fermer sa gueule. Monsieur Guillaume Gillet. Salut mon Guillaume, ça va? Salut les amis. Très bien. Un peu mieux. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75€ le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est, bite. 11€ pour 4 bières, ça fait quand même mal au cul. Hein. Je ne m'en lasserai jamais de ce jingle pour moi. C'était vraiment le number one. Regardez le beau gosse. Alors là, attention, parce que là, je vous dis, ça fait je ne sais combien de temps qu'il n'est pas venu dans l'émission, parce que monsieur, il a un emploi du temps, il est en train de nous snober. Le beau gosse, regardez-le. Bon, arrêtez quand même. Salut Cyril, salut tout le monde. Salut mon Léo, ça va? Salut. Merci, en tout cas, content d'être là avec vous. Bon, on est très heureux de t'avoir avec nous. Jingle, Lachor. Je suis le mec plus ultra. Je suis tellement excité. J'y peux rien, je fais des rages. Moi aussi, ça commence. Toutes les filles sont dingues de moi. Tu vas me rendre dingue, prends-moi Christian, prends-moi comme un bête. Je viens. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Quel bonheur. Donc, avant de démarrer l'émission, regardez, il y a deux supporters là, qui sont en attente. On les accueille rapidos. On a Georges Baggio. Giorgio. Salut Georges, il faut mettre ton son là si tu veux discuter rapidos avec nous. Comment il va mon Georges? Salut tout le monde. C'est pas Georges. Bienvenue. C'est Giorgio Baggio. Ah, Giorgio. Bah, excuse-moi, j'avais vu Georges moi. On me dit Georges, donc moi j'appelle Georges. Non. Comment il va Jojo? C'est Geoffrey. Ça va très salut bien. Salut Geoffrey, t'habites où? T'es d'où? Wavrin. Ok, tu fais quoi dans la vie? Ingénieur textile chez Decathlon. Ok, moi j'aime bien savoir à qui on parle. Moi j'aime bien ça. Jojo, tu voulais nous parler de quoi toi? Eh ben, on pourra parler de Jonathan Clauss, je pense. Jonathan Clauss. Eh ben, écoutez, tu restes avec nous quelques minutes. Justement, Jonathan Clauss, on démarre cet avant-match. Ah, par ça. Hugo Lloris, Mike Maignan, ouais, défenseur, Mike. Jonathan Clauss. Ouh. Ouh.
Quand on voit, les amis, cette réaction, la réaction déjà de Jonathan qui fond en larmes, la réaction de tous ses potes, de tout le vestiaire, c'est méga, méga touchant. Hein. Qui veut démarrer Yo, tiens, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans l'émission. Vas-y, mon poteau. Non, mais l'image où on voit tous les joueurs autour de lui, voilà, en attendant la liste, c'est juste incroyable. Je veux dire, souvent ça se passe chacun chez soi. Là, ils sont tous ensemble, ils attendent ça. Voilà, c'est une émotion forte. Enfin, voilà, il le mérite depuis le début de saison, même la saison dernière. Donc, voilà, c'est simplement beau à voir. Ça a été relayé sur les réseaux et j'ai trouvé ça beau, cette communion en tout cas au sein de l'effectif. Et ça, c'est top. Jojo, tu l'attendais depuis longtemps, comme tous les supporters. Bah, j'avais participé déjà l'année dernière au hashtag Klos en équipe de France. Mmh. Et à l'époque, on se plaisantait de nous. Et en fait, un an après, c'est une réalité. Ouais. Ouais. Et ça fait plaisir. Sylvain, raconte-nous cette petite anecdote que j'aime beaucoup, que tu nous as racontée 3 minutes avant l'émission. Vas-y, raconte-nous, et puis ensuite, on mettra ce qu'il faut à l'écran. En fait, il y a en fin d'année dernière, quand il y a le fameux débat sur Jonathan Klos en équipe de France, je me rappelle avoir mis un petit texto suite à un papier d'un journaliste de l'équipe qui citait des possibilités de joueurs dans un rôle de piston droit et il ne citait pas Jonathan Klos. Et j'avais dit, c'est quand même bizarre, enfin, soit il a des infos venant du sélectionneur ou soit il s'est raté, il a quand même oublié Klos qui, à ce poste-là, avec le changement de dispositif, a quelque chose à tenter. Et derrière, j'ai un supporter lillois qui m'a repris de voler. Je cite ou tu montes le message ? Regarde. Ah, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Preuve à l'image, hein, on ne raconte pas Portnawak. Voilà, Sylvain Charlet, donc le tweet, il y a 21h, il a donc retweeté le tweet qui a été retrouvé. Qu'est-ce qu'on fait ? Je te livre à domicile. Et donc, voilà. Aimé Jarret, hein, qu'on salue au passage, pour clore le débat, je mange les excréments de Sylvain Charlet si Klos obtient une sélection en équipe de France A. Si personne n'en parle, sauf à Lens, c'est où que la France du football est aveugle, ou ce sont les Lensois ? J'ai mon avis sur la question. Eh ben, mon petit Aimé Jarret, tu vas reprendre contact avec notre Sylvain et puis il va te faire une petite livraison à domicile et on veut la vidéo. Ouais, mais alors attends, le truc, c'est qu'il faut juste attendre parce que là, il a raison sur un point parce qu'il m'a répondu forcément en me disant encore pour l'instant, voilà. Il a été convoqué en équipe de France, mais une convocation, ce n'est pas une sélection. Une sélection, c'est vous jouer, en fait. Ouais. Vous portez le maillot de l'équipe de France. Donc, voilà, il a gagné un peu de réputation. Il a la pression quand même. Ah bah ça, je pense que mais quoi qu'il arrive, il va manger sévère parce qu'il va au moins jouer un quart d'heure, Klos, sur un des deux matchs. Justement, Guillaume, tu crois que Jonathan a une chance de jouer là sous le maillot bleu ou Deschamps le prend pour faire plaisir un peu à l'opinion publique et finalement, parce que Deschamps, si on retourne un petit peu dans l'historique, ça serait pas le premier coup d'essai qu'il fait avec un nouveau joueur comme ça qui est très demandé et puis qui joue pas beaucoup finalement. Non, je pense pas que l'entraîneur soit dans le... Comment dire le... Le calcul, le sentimental ou voilà juste pour faire plaisir à Jonathan, ben je vais le reprendre. Non, je pense que des entraîneurs de ce niveau-là ont bien observé le joueur à de nombreuses reprises et c'est que il estime avec la confirmation de cette saison qu'il est maintenant prêt à franchir ce palier. Donc moi je le vois jouer dès le premier match. Commencer, ah ouais. Mais je le vois voilà, avoir déjà quelques minutes. Sylvain Charlet, après, vas-y Yo. C'est surtout un poste où il y a besoin. Je veux dire, c'est un poste où, à mon avis, Didier Deschamps cherche, il va chercher une solution. Donc, il va laisser la chance à Jonathan pour prouver un peu ce qu'il est capable de faire et éventuellement saisir une place un peu plus longue en équipe de France. Ouais, parce regardez, que ce maillot, regardez ce maillot, comment il lui va bien. Il lui va bien. Hein. On remercie Snell Théo hein, qui a fait ce joli montage. Ah, c'est bon, ça, j'ai pas vu ça, c'est excellent. Ça a de la gueule. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur le poste bah, tu avais Lionelio Dubois, mais bon, qui n'est pas au niveau en ce moment. Il a mis Kingsley Coman à ce poste-là. Et Coman, il est beaucoup plus attaquant. Il y a aussi l'option Benjamin Pavard, mais ce n'est pas son poste. Donc, il y a aussi Mukiele à Leipzig, mais qui sera sûrement un jour un concurrent. Et oui, pour Klos, c'est le moment idéal. Après,
il va avoir un peu de pression quand même. Parce que en gros, si entre guillemets, il n'est pas au niveau là, il ne reviendra pas. Parce que Deschamps, en fait, pour moi, il a cette fenêtre-là, avec deux matchs amicaux, sans véritable enjeu. Tu joues l'Afrique du Sud à Lille, et avant, tu auras joué la Côte d'Ivoire à Marseille. En fait, c'est la seule fenêtre où il peut faire de vrais tests, parce qu'après, il va repartir sur la Ligue des Champions, et après, il se rend prépa pour le Mondial, en fait. Donc là, en gros, c'est pareil pour le petit Nkunku de Leipzig, l'ancien Parisien, il va leur donner une chance, mais si ça ne passe pas, ce sera compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'il va peut-être le mettre sur un coup d'envoi ou lui filer une mi-temps, mais il va pas falloir se rater, en fait. Voilà. Je pense qu'il veut vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, en fait. S'il est capable, ça me fait penser notamment, je sais pas, à Tchouaméni, le monégasque, quand il est arrivé en équipe de France, tout de suite, il a trouvé sa place dans le jeu, dans l'équipe. Et ça va être important pour Jonathan Clauss. Il va falloir très vite qu'il se fonde dans le moule, qu'il soit bon à l'entraînement. Dans le groupe, il n'y a pas de problème, parce que c'est un mec qui passe bien partout, je pense. Mais voilà, il va falloir être bon tout de suite. Il n'y aura pas de salle d'attente. Jojo, pour terminer avec Jojo, après on le libère. Comment tu le sens, toi, tu crois qu'il va être libéré tout de suite, il ne va pas avoir trop de pression, notre Jonathan Clauss, quand il va revêtir ce maillot bleu? La pression, c'est sûr qu'il va l'avoir, et puis c'est normal. Mais je pense qu'une fois sur le terrain, et je suis sûr qu'il va jouer, et même certainement titulaire, pourquoi pas le match face à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, pardon, où il y aura certainement des supporters lensois sur place, ça va peut-être le motiver encore plus. Ok, merci Geoffrey, à bientôt. Merci à vous, ciao. Ciao Geoffrey, ciao, à bientôt. Et merci de ta fidélité, Geoffrey. Les amis, un dernier petit mot là sur Jonathan Clauss. Est-ce que vous pensez que la convocation de Clauss en équipe de France, c'est le message de Sébastien, la question de Sébastien, va galvaniser l'équipe pour une belle victoire face à Clermont, puisqu'on va rentrer dans l'avant-match maintenant? Pour galvaniser quelle équipe? Lens pour ce week-end? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui, je pense que ça peut être un élément de motivation. En tout cas, je pense qu'il y aura déjà un bel accueil à Bollard pour Clauss. Je pense que demain, là, ça risque d'être un peu la fiesta au coup d'envoi et avant le match. Allez, on rentre dans l'avant-match, c'est parti. Donc, de cette 29e journée de Ligue 1, samedi, donc demain, 17h, Lens reçoit Clermont, l'historique des rencontres. Regardez, 21 matchs joués, 5 victoires lensoises, 4 pour Clermont, 4, on en a 4 donc à domicile et une seule victoire à l'extérieur. Et donc, aucun match nul depuis la saison 93-80. Non, 12 matchs nuls, pardon. 12 matchs nuls. Et donc, combien de victoires on a? 9 victoires en tout. Les 5 dernières confrontations, 2-2, on s'en souvient. 1er décembre dernier, à Clermont, on avait été faire le match nul là-bas. Ensuite, 1-1 derrière, 0-0, 1-1. Finalement, la victoire remonte qu'au 4 mai 2019 face à cette équipe de Clermont. Un mot sur cette équipe de Clermont. On commence par Clermont. Vous voulez commencer par Clermont? Comme tu veux. Allez, c'est toi le patron. Eh ben, on ne va pas commencer par Clermont. On va commencer par le Racing. Avec les dernières nouvelles du Racing Club de Lens. Donc, Medina sera suspendu face à Clermont. Première question, vous en doutez. Comment remplacer Medina? Qu'est-ce qu'on fait? On met Aïdara. On tente le jeune Wu. Comment vous le sentez, les garçons? Gaucher. Guillaume. Moi, je pense qu'il va mettre Aïdara côté gauche. C'est ce qui me paraît le plus logique. Surtout, c'était un peu difficile. Les derniers matchs où a joué, il n'a pas forcément convaincu. Alors que Massa Diop a, je crois, plutôt bien presté quand il a fait appel à lui. Donc, je crois que cette place lui reviendrait normalement. Mais moi, Johan, je mettrais... Pardon. Non, mais moi, je suis un peu d'accord avec Guillaume. Effectivement, Massadio amène un peu plus de certitude à ce poste-là. On attendait un peu plus, même s'il a fait un très bon début de saison, on attend un peu plus de Christopher. Donc, sur ce match-là, je mettrais plutôt Aïdara parce que voilà, il y a plus de certitude et je pense que c'est une victoire qui est importante à aller chercher et avoir une base solide. Sylvain? Moi, je mettrais Wu. Je mettrais Wu parce que pour moi... À gauche, j'ai les infos, moi j'ai les infos. Parce que à gauche, Frankowski n'est plus. Enfin, il a besoin de retrouver du temps de jeu, donc je ne le vois pas débuter un match. Machado, ça revient aussi de loin. Donc,
par élimination, je lasse Aïdara qui est performant à gauche et je relance le petit Wu. Alors, le souci, c'est que je regardais les chiffres du petit Christopher Wu. C'est qu'à chaque fois qu'il a débuté un match dans la défense à 3 du Racing Club de Lens, il n'y a jamais eu de clean sheet, en fait. Il a toujours subi la fragilité de la défense. Et parfois, il a commis quelques erreurs. Et j'ai regardé, il a déjà joué à tous les postes. On nous l'avait présenté ainsi. Il peut jouer aux 3 postes de la défense. Et il a déjà joué, je regardais s'il avait déjà joué en haut à gauche de la défense. Et ça a été le cas lors de la première journée où il avait joué avec Boura et Fortes. Vous imaginez, la première journée de championnat. Et il avait rejoué à Montpellier. À Montpellier, donc dans cette défense à 3. Donc voilà, moi j'aurais tendance à jouer Wu parce que mettre Aïdara, c'est peut-être la meilleure des solutions, mais il n'y a personne pour remplacer Aïdara pour moi à gauche. Alors du côté des supporters, Julien nous écrit Aïdara en centrale et Frankowski à sa place. On a Alexandre qui fait « Moi je mets Aïdara et Frankowski piston gauche ». Retour de Franco, apparemment beaucoup de Frankowski hein, sur le côté. Justement, tiens, les couloirs, on va en parler. Nouvel équilibre, hein, Sylvain, dans les couloirs avec donc de la concurrence. On le disait, Aïdara, Machado qui revient à gauche, et puis Klos et Frankowski à droite. C'est de bon augure ça pour la suite. Hein. Oui, puis si votre théorie tient, Frankowski donc voilà pourrait toujours jouer à gauche, mais il peut aussi vraiment revenir à droite. Non, parce que la logique, c'est qu'il a été recruté pour être le remplaçant de Klos. Et normalement, c'est la suite si un jour Jonathan Klos est amené à partir. Et puis de l'autre côté, en effet, on a Machado qui est aujourd'hui la doublure d'Aïdara. Donc c'est vrai que c'est bien, ça donne de multiples solutions au staff technique. Benjamin qui fait Aïdara bien meilleur en défense centrale qu'en piston, pas assez offensif. Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Je vois que tu es plutôt d'accord avec Benjamin. Non, je suis d'accord. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à penser qu'il allait être meilleur sur le côté gauche, surtout dans un rôle à 5. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer en défense centrale, il m'a toujours surpris. Je trouve qu'il est bon dans les relances, il est bon dans le placement, dans l'anticipation. Et il m'a toujours agréablement surpris. Donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il est peut-être mieux à ce poste-là. Il a plus de sensibilité, peut-être plus de temps aussi. Et je trouve que c'est très, très intéressant ce qu'il fait. La bonne nouvelle, c'est Saïd. Hein, Wesley Saïd qui est de retour. Le coach l'a dit, dans le groupe en tout cas. Est-ce que pour vous, je pense que oui malheureusement, mais je pose la question quand même. Est-ce que pour vous, Guillaume, est-ce que tu crois qu'il est trop court pour débuter la rencontre, mettre Saïd titulaire? Bah, surtout vu ses antécédents, c'est compliqué pour l'entraîneur de le relancer directement dans le bain. C'est un match en plus. Bon, je pense que il est hyper important celui-là. Il faut absolument le gagner. Donc, je crois que c'est une bonne arme sur le banc. Et c'est déjà bien qu'il revienne, mais il faut pas brûler les étapes, surtout avec lui. Tiens, on va accueillir une supportrice rapidement. Regarde, c'est Prissy. Salut Prissy. Coucou les garçons. Hello. Bonjour Prissy. Salut. T'habites où, Prissy? À Hercin-Coupigny. Hercin-Coupigny. Dis-moi, Prissy, Wesley Saïd, tu le sens comment, toi, de retour? Est-ce que tu penses qu'il va être titulaire ou pas? Non. Moi, je ne l'ai pas mis dans ma compo en titulaire parce qu'il rentre de blessure, donc faut y aller progressif. Avec. Je pense pas qu'il sera titulaire. Remplaçant, peut-être, mais titulaire, non. C'est Sylvain, beaucoup trop pareil. Ouais, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir le voir jouer au moins une petite demi-heure. Ce serait vraiment quelque chose de gagné pour lui. Mais ouais, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des pépins musculaires qu'il a connus, faut vraiment être prudent. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on aurait envie de le voir peser sur cette attaque lensoise. Parce que moi, j'ai toujours souvenir de la période en octobre-novembre où il était l'attaquant le plus décisif de cette formation lensoise. Et on a besoin aujourd'hui d'attaquants décisifs parce que là, ça fait quand même plus de 180 minutes que Lens n'a pas marqué en Ligue 1. Donc, il va falloir que Kalimuendo et Kakuta, si les deux débutent, soient au rendez-vous. Tiens, on a Alex qui fait « Saïd rentrera dans le dernier quart d'heure pour offrir la victoire ». Vas-y, Prissy. Le match est trop important, Sylvain, pour pouvoir… se baser sur Saïd. Je pense que là, Franck, il sait que c'est un match important. Il jouera pas ce match-là avec Saïd. Je le vois pas tenter. Ah non, il débutera pas, on est d'accord. Hein. Il rentrera, allez, je me dis, au mieux une demi-heure. Au mieux. Mais même s'il fait 20 minutes, c'est déjà pas mal. C'est bien, hein, c'est bien. Et il fait 20 minutes à la fin, il plante son but, c'est bon, on lui demande pas plus. Hein. Moi, je demande pas plus. Hein. Merci Prissy, on t'embrasse. Bisous. Salut. À bientôt et à très vite. Et voilà, j'ai supprimé qui là? Non, c'est bon. Jojo, tout le monde. Jojo est de retour.
Ah, Jojo, ouais, ouais. Il est de retour, mais non, mais Jojo est toujours là. Je vous dis, il quitte pas. Regarde, salut mon Jojo, hop, il disparaît, Jojo, et hop, regarde, il apparaît, hop, il disparaît. Bon, comment mettre fin, les copains, à la disette offensive? Deux matchs sans marquer en Ligue 1. Une première hein, depuis la fin de saison dernière, puisqu'on avait fait une série de trois, on avait perdu contre le LOSC 3-0, Bordeaux 3-0 et Monaco, on avait fait 0-0. Comment on met fin à cette disette? Monsieur Lachor, vous n'avez pas une solution? Il faut retrouver un peu ses talents. Je pense que on est quand même moins bon dans la récup et dans les transitions. Avant, on avait quand même un jeu de transition qui était hyper efficace. Je trouve qu'on le voit quand même beaucoup moins qu'avant. On est moins bon dans le pressing, on est un peu plus en retard, on est moins dans les temps de passe. Donc retrouver ça déjà, parce que voilà, on n'a pas forcément d'attaquants qui pourraient faire la différence seul. Et je pense que voilà, c'est ce collectif-là et surtout les transitions qui vont faire qu'à un moment donné, on va pouvoir être dangereux. Donc pour moi, c'est collectivement qu'on va s'en sortir en étant meilleur encore une fois dans ces phases-là. Guillaume. Ben, la semaine dernière à Metz, on voulait absolument qu'ils gardent le zéro derrière. Ils l'ont fait, ça faisait très très longtemps que voilà qu'ils ne l'avaient plus fait. Donc ils nous ont entendus. Malheureusement, ça a été un peu au détriment du jeu offensif où on n'a pas réussi à marquer face à cette équipe de Metz. Donc je pense, comme Yo l'a dit, c'est important de prendre cette équipe de Clermont à la gorge, de montrer vraiment que voilà, qu'il y a une dynamique positive, qu'on a vraiment envie de faire mal à l'adversaire en allant chercher très haut. C'est le genre d'adversaire. Voilà, il faut pas laisser rentrer dans la partie. Sylvain, on a peu de choix en plus hein, pour faire évoluer oui. Les associations, pour essayer pour tenter des choses quoi. Ben oui, parce que Sotoka est devenu un milieu de terrain désormais. Pour équilibrer le jeu. Ah ouais, on est tout à fait d'accord. Ouais. Kakuta, voilà, c'est un peu par alternance, même si moi j'avais bien aimé son entrée face à Metz et j'ai pas trop compris pourquoi elle était sortie. Ganago, il est vraiment en phase de doute. Et puis Kalimuendo, il a besoin aussi de retrouver le chemin défilé comme Fofana. Donc on a des joueurs qui sont un petit peu en manque de confiance aussi. Et quand tu regardes bien sur les trois derniers matchs, comme le disait Johan tout à l'heure, dans le jeu de projection, de transition, on n'y est plus parce que les deux derniers buts que tu marques, c'est des cadeaux du gardien d'Angers, en fait. Le dernier but que tu as construit, si je ne dis pas de bêtises, c'est face à Lyon, en fait. Tu fais un gros match, hein. Tu aurais pu t'imposer sur un score de 2-1, mais voilà, à vouloir travailler l'animation défensive et rééquilibrer ce qui est noble, ce qu'il fallait faire, et ben, on a perdu un peu de la philosophie offensive. Bonjour Fabien, regardez, Fabien est là. Salut Fabien. Salut les amis. Salut Fabien. Je les sens heureux, les supporters, d'intégrer un peu comme ça la Dream Team, de venir partager. Ah, moi, je suis heureux, il n'y a pas de souci, moi je suis bien. Bon, t'es d'où Fabien, t'es d'où? Je suis d'Arras, côté d'Arras. Ah, c'est beau Arras. Hein. venez manger l'andouillette, je vous invite. Ah bah attends, je peux te dire que, t'inquiète pas que ici, Johan, c'est un bon gros mangeur. Hein. Si tu l'invites, prépare 3-4 andouillettes et puis un fût de bière. Hein, parce que là. Au moins. Un fût de bière complet, même. Bon, Fabien, comment tu la sens? Comment tu le sens ce match au niveau offensif, là, face à Metz? Pour moi, au niveau offensif, il faut rester dans notre compo. Je pense, honnêtement, faut rester dans notre système 3-4-1-2, mais je mettrai Adara en centrale, je pense. Qu'un retour de Frankowski, franchement, je pense que Frankowski, bon, je pense qu'il a assez récupéré et je pense que ça serait mieux de je mettrais Frankowski, moi. Honnêtement, de retour, je le sens bien, moi, pour débuter. Okay, ça marche. Bon, bah, Fabien, à très bientôt pour une andouillette. À bientôt. Ouais. Salut, Fabien. Mon ami. Merci de ta fidélité. Est-ce que vous faites débuter Dacosta? Il est où passé? Il est passé où, mon Yo? Il est parti avec Fabien manger l'andouillette. C'est moi qui l'ai viré, Yo. Non, c'est pas moi qui l'ai viré. Bah attends, on va prendre. Il va revenir. Est-ce que vous faites débuter Dacosta ou pas? Bah moi j'aimerais bien les voir ensemble, mais j'ai pas l'impression que ce soit la donne du moment. Aujourd'hui, on est plus dans une donne où Kakuta débute et Dacosta le relais. Et tu sens quand même que ça agace Gaël Kakuta depuis quelques semaines. Encore face à Metz, il n'y croyait pas trop, il ne comprenait pas pourquoi il sortait si tôt. Alors,
le petit Da Costa apporte vraiment quelque chose. Mais ensemble, ça a déjà été fait, hein, notamment face au PSG. Pourquoi pas? Mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans les idées du staff technique pour l'instant. Salut Antoine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut voilà. Antoine. Ça va, merci. Bah, Antoine, il est dans un... Hey, Antoine, t'es dans ta camion? Oui, je suis dans un camion, je suis routier, je fais ma poste. C'est pour ça que j'espère qu'il va me faire passer, parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Vas-y, klaxonne, klaxonne un coup là, klaxonne en direct. Franchement, je peux pas, il y a des gens en train de dormir à côté. Ah, ouais. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que t'en penses. Dis-nous ce que tu penses de ce match de demain, Antoine. Ben moi, je pense que... Après, c'est mon avis à moi. Je pense que Franck Dez, il fait pas assez tourner l'effectif. On voit, on fait des grosses entames de match. On voit que Fofana, tout ça, il se dépense beaucoup. Et au bout de 20-30 minutes, tu vois que les mecs, ils sont crevés. Depuis le début de saison, ils n'arrêtent pas. Et là, justement, ils ont fait venir Patrick Berg. On ne l'a pas vu beaucoup titulaire, à part une fois quand je crois que c'était Doucouré qui était suspendu. Et moi, je n'hésiterai pas, franchement, à faire commencer Berg. Pareil, Kakuta, le mettre un peu au repos et faire commencer Da Costa. Parce que je trouve vraiment que les joueurs, pour moi, ils sont cuits. Quoi. Et Moussé. Guillaume. Ouais. Guillaume, t'es d'accord avec Antoine? Ouais, je pense que ça pourrait faire du bien. Une petite révision d'effectifs comme ça, tenter un peu d'autres choses. Il y a du talent sur le banc, donc c'est toujours une question délicate pour l'entraîneur. C'est un choix qu'il doit faire, mais à partir du moment où les joueurs qu'il a à sa disposition sont prêts à 100% et ont envie d'aider l'équipe, ben, il faut être capable de les utiliser au bon moment. Merci Antoine. Pour Berg. Mais pour Berg. Je voulais juste dire aussi une dernière chose. C'est que je trouve qu'on n'est pas assez tueur devant le but. Et le problème, c'est que ben Wesley Saïd, lui, pour moi, il l'est. Mais après, le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Donc là, pour moi, tout à l'heure, vous demandez s'il fallait le mettre titulaire. Pour moi, non, parce que pas tout de suite. Mais je pense qu'il pourrait faire du bien, rentrer une demi-heure à la fin et nous mettre un but. Quoi. Bon courage pour ta reprise de boulot, Antoine. Là, tu reprends le camion, c'est parti. Hein. C'est parti, je remonte sur Paris et je rentre demain pile poil pour aller voir le match. Allez, courage. Et sois prudent. Sois prudent sur la route, toi, Antoine. Okay. Merci à vous. Salut, ciao, Antoine. Tu kiffes l'émission? J'adore. Enfin, j'essaye de regarder au maximum parce que la plupart du temps, quand ça passe, je suis sur la route. Donc, je regarde après, plus tard. Ouais. En replay, ça marche. En replay, voilà. À bientôt. Salut, Antoine. Merci de ta fidélité. Ciao. Il y a encore du monde qui veut venir. Il y a Thibaut, il y a Fred. Bon, on va les avoir dans quelques secondes. Pour terminer avec Da Costa, là, j'aimerais bien entendre Yo sur le jeune Da Costa. Tu le fais débuter, toi, Yo, ou pas? Bah, moi, oui, parce qu'encore une fois, je pense que Franck doit aussi préparer la saison prochaine et il faut donner du temps de jeu à David. Surtout que Calcutta, je pense que, voilà, comme vous disiez, il est un peu moins bien, il doit se poser quelques questions et je pense que voilà, c'est peut-être le moment aussi de faire la transition. Après, David, avec Calcutta, je vous entendais parler de ça tout à l'heure, il a aussi la possibilité, David, et les capacités de jouer côté. Hein. Il peut le faire en changeant peut-être un petit peu le système, mais voilà, c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui est capable de faire de belles choses, il va vite, il dribble bien, donc je pense qu'il n'est pas forcément utilisé toujours dans des situations où il pourrait rendre service à l'équipe, donc voilà, c'est peut-être aussi une possibilité. Mais encore une fois, il faut que Franck ose certaines choses de temps en temps, quoi, peut-être. Mais tu voudrais le mettre, quand tu dis un joueur de côté, dans un des couloirs, en fait, dans un rôle de piston? Après, là, il n'a pas le travail défensif pour le faire, mais si tu changes un peu le système, à un moment donné, peut-être en cours de match aussi, tu peux de temps en temps changer un peu le système et permettre à un moment donné de changer un petit peu. Parce que, encore une fois, c'est un jeu qui est difficile de la part de Lens. On le voit bien là, avec les joueurs un peu fatigués. C'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, qui va un peu moins bien en ce moment. Peut-être qu'en cours de match, changer un système, ça peut aussi de temps en temps faire du bien à l'équipe et aussi perturber les adversaires. Et David peut très bien s'inclure dans un système différent. Salut Thibaut. Salut les gars, ça va? Hello Thibaut. T'habites où? Tu fais quoi dans la vie, Thibaut? J'habite entre Montpellier et Nîmes et je travaille dans le handicap. D'accord. Ah, dans le sud, un ch'ti expatrié ou t'es un sudiste et complètement, je suis né à Lens, ancien abonné, tout ça. Je suis à Lens, je suis pas un gars du sud, moi. Pas du sud. et ça te tente pas trop là? Mais les gars, allez voir la gueule de l'animation à la Mosson, c'est n'importe quoi. Ils sont quatre à chanter, sérieusement les gars. Mais ça te tente pas trop? Ah si, si.
Je pense que si je devais remonter, ce serait pour Lens. Pas pour le soleil. On s'en fout du soleil. Pas important. Ce qui est génial, Thibaut, c'est que Lens Foot, ça te permet de rester au contact un petit peu. J'allais vous le dire, les gars. Franchement, c'est grâce à vous que je reste connecté. Enfin, au moins que ça me permet de d'avoir un média qui traite du Racing Club de Lens. Je trouve que ça, c'est génial, franchement. Et je suis pas sûr que tous les clubs puissent le permettre. Ça montre la ferveur aussi qu'il y a autour du club. C'est vrai. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, les gars. Après, le problème, c'est que j'ai pas pris les meilleurs consultants. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que dit Thibaut, regarde ce week-end après le match. Si tu ne regardes pas Lens Foot, si tu ne lis pas La Voix du Nord et si tu ne écoutes pas France Bleu Nord, faut quand même que je cite mon média. Tu lis l'équipe. T'as un tout petit résumé du match. De Lens à Metz, t'as 30 lignes en fait. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le Lens Foot répond à une attente des supporters. Tiens, d'ailleurs, question intéressante à Yo et Guillaume, vous qui avez porté ce maillot sans et or, est-ce que justement vous aviez la même façon de penser que Sylvain quand il dit moi en tant que joueur du RC Lens, si j'ai envie de trouver un média qui parle de mon club, qui parle du match que j'ai fait? Vous étiez un peu en galère quand vous étiez joueur parce que malheureusement l'équipe parle pas de Lens, parce que Yo et Guillaume, comment vous le viviez ça, ou alors vous en foutiez complètement et vous étiez complètement détaché de toi? Non mais ça se peut hein. Alors moi perso franchement j'ai jamais été trop adepte des journaux, de ce qui était écrit, donc ça m'a pas manqué, je cherchais pas spécialement des infos à droite à gauche, c'était ouais, quelque chose qui était en second plan pour moi, donc voilà, j'ai pas de mauvais souvenirs de ça. En tout cas, ça m'a pas marqué, ça m'a pas perturbé, quoi. Guillaume, Moi, le média qui me permettait un peu de suivre l'actualité, c'était Lens Foot. Sinon, comme le dit Yo, il y a des joueurs qui sont très attentifs à ce qu'on dit sur le club, qui vont chercher toutes les informations dans tous les médias possibles. Et puis il y a ceux qui vivent complètement sans, qui ça ne manque pas du tout. Et est-ce que c'est pas une question un peu, puis après Thibaut, tu nous parles un petit peu de ce que tu voulais nous dire là sur le match, mais juste deux secondes, est-ce que ce serait pas une question aussi, Yo, Guillaume, Sylvain, de génération? C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui qui sont élevés sur les réseaux sociaux avec donc les médias, les podcasts et tout, sont peut-être plus à la recherche d'émissions qui va parler et qui va débattre de leurs prestations. C'est leur reconnaissance. C'est toujours, toujours à la recherche, voilà, de commentaires positifs. Et parfois, ouais, c'est l'inverse qui se produit. Hein, et certains ne sont pas capables de faire la part des choses, justement. Mais moi, je vais parler d'un truc par rapport à mon métier. Tu vois, elle est super, la vidéo du Racing, sur les coulisses de la convocation de Jonathan Clauss. Sauf qu'en fait, il n'y a pas un journaliste à qui tu ouvres les portes. Dans le passé, on aurait laissé venir 4-5 journalistes et on aurait pu faire un sujet sur la première de Jonathan Clauss, en fait. Moi, c'est ça qui me fait mal aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis dépendant de ce que fait le club. Alors, elle est magnifique, cette vidéo. C'est génial et tout. Mais pourquoi les journalistes n'ont pas accès à ça? On n'a plus accès à ça. On ne peut plus raconter le quotidien des clubs comme on le faisait auparavant. Voilà, c'était mon petit coup de gueule par rapport à cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est dommage. Pour moi, pour tout vous dire, parce que vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. J'ai jamais caché quoi que ce soit. Le club, j'espère, en tout cas, j'ai fait plein de demandes tout au long de la saison pour avoir Francaise, pour avoir Arnaud Pouille, pour avoir un cadre dirigeant du club qui vienne s'exprimer dans l'émission, qui vienne 5, 10 minutes, 15 minutes. Pour l'instant, c'est non. Normalement, ça devrait aboutir vers une bonne réponse, vers une réponse positive d'ici la fin de saison. J'attends avec impatience. Mais logiquement, on devrait avoir quelqu'un. En tout cas, j'espère que le club va accepter. Thibaut, tu voulais nous parler de quoi? Moi, je voulais parler de l'aspect. Alors, moi, je suis un supporter, donc je suis amoureux de Lens et il n'y a rien qui me fera changer, jamais. Je vais mourir comme ça, c'est comme ça. Et comme tous les supporters, j'ai un peu tendance à m'enflammer. Mais force est de constater que depuis, je pense, fin novembre, en fait, je trouve qu'on n'est plus du tout surprenant. Avant, tu sais, on a eu une période là où on a mis des 4-0, tout ça, où même quand eux ils attaquaient, je regardais de ma télé, je me disais putain, mais même moi je l'avais pas vu. Là, contre Metz, tu dis, en fait, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu sais exactement. En fait, on est devenu stéréotypé, et je sais pas si c'est parce que nos milieux sont émoussés ou parce qu'on cherche un équilibre absolument entre la défense et l'attaque. Mais en tout cas, force est de constater que
enfin on surprend plus personne et encore moins, enfin moi devant ma télé, contre Metz, je me suis fait chier, ouais. Les gars. Ouais, c'était l'ennui. Ça fait sincèrement, ouais. Je te rejoins Thibaut. Moi j'étais à Angers et les deux derniers, je les ai fait comme toi devant la télé. Même chose. L'ennui total. Comme tu l'as dit, c'est stéréotypé. Tu vois les trucs arriver et alors il y a peut-être ce manque d'énergie et donc forcément il y a moins de rotation. Mais c'est voulu au sein du club d'avoir un effectif assez restreint. Mais voilà, aujourd'hui tu le paies sûrement. Après, je pense qu'avant il y a par rapport à cette période de novembre où tu voyais beaucoup les centraux se projeter, faire du dépassement de fonction, tu vois. Là, on le voit beaucoup moins. Je trouve que Klos, il est moins libre en fait dans son couloir, par exemple. Il y a moins de courses de la part. Après, quand Grady joue pas, c'est autre chose. Mais ouais, parce que Grady, c'est vraiment celui qui faisait la différence balle au pied, c'est ça. Qui pouvait, comme on dit, percer depuis la défense en fait. Non, mais c'est vrai que là, on a envie de retrouver ça. On l'avait retrouvé quand même un peu face à Lyon. Le match face à Lyon, il est hyper intéressant par rapport à ça. Tu as de l'intensité, tu te crées des opportunités, mais depuis, c'est retombé. C'est ça. Merci Thibaut. Merci à vous les gars. Et merci d'exister. Hein. Continue à faire vivre le média quand même. Rentre vite dans le Nord. Hein. Rentre vite. Hein. Je reviens quand même deux fois par an, je reviens, mais bon. Ah, ça va. Merci à bientôt, les gars. Salut. Ciao Thibaut. Apparemment, vous avez vu, ça plaît. Hein, les supporters, ils aiment bien participer à l'émission. Un mot de Clermont, les copains. Clermont, attention, pas encore assuré de son maintien. On va regarder quelques. Regardez, Clermont, c'est donc 16e. 27 buts marqués, 48 buts encaissés, 7 victoires, 7 nuls, 14 défaites. Le grand danger, Sylvain, c'est Bayo. Hein. Oui, mais après, il revient de blessure. Il a eu un souci à la hanche, donc il ne sera pas à 100%. Et après, lui, c'est vraiment un super joueur. Vous voyez, c'est un joueur à 10 buts. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose. Rachani revient aussi de petits pépins physiques. Donc, ces deux-là ne seront pas forcément au top. Mais attention, parce que Bayo, il lui suffit d'un ballon dans la surface de réparation. C'est un joueur qui ne va pas rester là, je pense. Je ne sais pas où il partira l'été prochain. L'été dernier, c'est Bordeaux qui l'avait voulu, mais il a bien fait de ne pas partir d'ailleurs, parce qu'on voit ce qui se passe à Bordeaux aujourd'hui. Donc, ouais, il y a des joueurs très, très intéressants. Mais après, voilà, c'est une équipe qui souffre aussi défensivement, qui est capable de prendre des claques, qui a perdu un match pour le maintien. Là, je crois qu'ils ont perdu face à Lorient 2-0, mais qui est capable 2-0. De gagner à Marseille, qui gagne aussi à Marseille. Donc, on peut s'attendre à tout avec cette équipe. Il va falloir être bon. Johan, c'est jamais simple hein, de jouer contre une équipe comme ça qui a quelques matchs de la fin de la saison, n'a pas encore assuré son maintien. Matin, non, c'est clair. Bah, puis surtout que c'est une équipe de coups. Quoi. C'est une équipe, j'ai l'impression, qu'ils sont capables de faire des coups. Alors peut-être sur une saison complète, c'est dur. Mais par contre, voilà, on l'a vu contre Marseille, ils ont été très très bons. Ils sont capables de sortir le match à un moment donné quand ils en ont besoin. Moi, c'est un peu ce que je retiens de cette équipe sur la saison, c'est que quand ils ont besoin de points, ils sont allés les prendre. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut se méfier. Il faut se méfier parce que c'est une équipe qui peut être solide, qui peut bien contre-attaquer, qui peut être efficace devant. Donc voilà, on a toutes les cartes pour gagner ce match-là. Mais si on n'est pas, nous, à 100%, on risque d'être très, très surpris. On va terminer. On va accueillir le dernier supporter, là, parce qu'il faut quand même qu'ils passent tous. Hein. Ils sont en train d'attendre depuis longtemps, là. Regarde. Salut, Fred. Salut. T'habites où? Tu fais quoi Moi, Fred, j'habite à côté de Nantes. Ah. Oh. On est partout, les gars. On est partout, je vous dis. Là, tout à l'heure, on était à Montpellier. Là, on est du côté de Nantes. Tiens, coucou à notre consultant Stéphane Ziani, qui est à Nantes, qu'on retrouvera lundi, d'ailleurs, pour le débrief. Ah, ça fait plus de 20 ans que je suis parti dans l'Ouest, mais bon, je suis originaire du Pas-de-Calais. Il n'y a pas de souci. Fred, comment tu le sens, toi, ce match? Bah, je pense que ça va être compliqué. On sait que les matchs-là contre les équipes qui jouent leur peau, c'est pas simple. Après, clairement, il a tendance à avoir un jeu plus ouvert, je pense, que les dernières équipes qu'on a pu voir, comme Metz. Donc, je pense qu'ils ne vont pas mettre le but, qu'ils vont essayer de chercher quelque chose. Donc, je pense qu'il y aura un peu plus d'animation. Quoi. Question, tiens, vous allez tous y répondre. Franck Haise a-t-il raison de dire que le Racing Club de Lens est à sa place? C'est ce qu'il s'est dit tout à l'heure lors de la conf. Alors, on a posé la question aux supporters sur lensois.com. La réponse, c'est oui. Être 9e avec le 16e budget de Ligue 1 est déjà un exploit. C'est 61% des supporters qui ont répondu oui à cette question. Et non, le Racing peut espérer être plus haut au regard de certaines prestations. C'est 39%. Si on fait un petit tour de table, Sylvain,
Oui ou non, est-ce que Francaise a raison de dire que le Racing est à sa place? Oui, il a tout à fait raison. Guillaume oui. Gillet. Oui, oui. Johan Lachor. Oui. Fred. Oui. Ok, bon, eh ben next. Unanime. Voilà. Merci pour la question. Il n'y en a pas un qui dit non. Donc, ça s'appelle On ne peut pas débattre. Tu les voyais plus haut? Tu les voyais plus haut ou plus bas, toi, Cyril? Moi, franchement, je les voyais un peu plus haut. Alors, oui, là, on est à notre place parce que 16e budget. Mais quand tu vois la grosse première partie de saison qu'on a fait, quand tu vois que jusqu'à pas très longtemps, on s'accroche, on n'est pas loin de la quatrième. Deuxième. Je me dis que pourquoi pas. Moi, je me suis pris à rêver et je me suis dit, mais on va y aller, quoi. On va y aller, on va être européen. Et là, bon, je me dis qu'on va peut-être pas y être, quoi. En fait, sur d'où vient le club, 9e, c'est bien, mais sur les promesses du début de saison, c'est frustrant. Voilà, exactement. Ben, autant t'es journaliste. Il parle bien. Faut pas oublier la fin de saison dernière. La fin de saison dernière, elle a été compliquée. Elle a été compliquée pour nous. Et donc voilà, faut pas oublier non plus ce qui s'est passé en fin d'année dernière, où on a peut-être pêché un petit peu parce que on manquait de fraîcheur à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que j'ai répondu oui par rapport à ça également. Quoi. Ok. Merci, Fred. Bonne soirée. Ciao, Fred. À vous aussi. Salut. Ça fait plaisir de vous avoir vu. Merci. Et continuez, parce que pour ceux qui sont expatriés, comme juste avant et comme moi, vous êtes un média extra. Moi, je vous suis dès que je peux, quand je peux. Pas toujours en live parce que je bosse en 3-8, mais en tout cas, c'est vraiment extra, donc continuez comme ça, quoi. Merci. Allez, merci. De toute manière, c'est grâce à des supporters comme toi qu'on est toujours présents et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et tous les mois, on fait exploser les chiffres d'audience et puis on vous prévoit quelques nouveautés pour la saison prochaine. Merci Fred, ciao, ciao. On en a encore un là, qui c'est qui est là? C'est Samuel, non, il n'est plus là, Samuel. Au revoir Samuel. Une petite question pour terminer. Non, moi j'ai plus de questions. Vous avez autre chose à dire? Juste vous dire, tu as dû le voir tout à l'heure passer, Cyril. Ah. J'avais un doute, la confirmation. Ouais, je te confirme, l'info est bonne. Voilà. Lille lance le derby, les gars. Samedi 16 à 21h. Source là, Alex nous donne la source. C'est Laurent Mazur. Non, mais c'est solide puisque je regardais dans mes mails pro, la Ligue a communiqué. Et donc, en fait, il y aura, il y aura un match le vendredi qui sera Rennes-Monaco. Et ce match entre Lille et Lens. Moi, ce qui m'embête un peu dans cette programmation, c'est que le lendemain, il y a Paris-Roubaix. Il y a Paris-Roubaix et ça monopolise de nombreuses forces de l'ordre. Il va y avoir aussi forcément des forces de l'ordre pour ce derby. Je pense qu'on risque d'interdire le déplacement des supporters lensois à Lille. C'est ça que j'allais dire. Ouais, et je pense que j'aurais préféré, il y a forcément de bonnes raisons, j'aurais préféré que le derby soit le vendredi soir à 21h pour qu'on puisse mobiliser des forces de l'ordre, parce qu'il faut toujours assurer cette sécurité, pour ensuite pouvoir enchaîner avec le Paris-Roubaix dimanche. Là, le samedi soir avec Paris-Roubaix le lendemain, showtime. Hein. Mais bon, belle affiche. Bon, après, c'est encore la Ligue, je vais te dire, le jour où la Ligue fera quelque chose d'intelligent, ça sera. Non, mais attends, il y a forcément une bonne raison. Il y a forcément une bonne raison pour déplacer le match comme ça. Oui, après, il y a les diffuseurs. Il y a les diffuseurs. Oui. Enfin bon, si la Ligue veut taper du doigt, du poing sur la table en disant exactement ce que tu viens de dire, il y a peut-être moyen de débattre avec le diffuseur télé, quoi. Mais c'est vrai que le diffuseur télé, la sécurité… C'est Canal. C'est-à-dire que c'est Canal qui va diffuser. Canal diffuse le samedi soir à 21h et le dimanche à 17h. Donc, je pense que Canal a dû tout faire pour avoir le derby et laisser les autres matchs à Amazon. Allez, on va terminer cet avant-match. Regardez avec la réaction de… Bon, on l'a tous vu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Jonathan Kloss, voilà, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Tellement heureux, tellement fier d'être bleu. Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public sans et hors avec le travail et la foi. Rien n'est impossible. On a tous hâte de voir notre Jonathan Kloss revêtir ce maillot. Là, voilà. Regardez le petit montage qui a été fait par notre ami Snell. Voilà, c'est très sympa avec Mbappé. Ça le fait, ça. Là, je vois bien ça en mode réel quand Jonathan va marquer. Ça va être sympa. Elle est magique, celle-là. Petit pronostic. Comme d'habitude, tour de table. Sylvain Charlet, Lens Clermont. 3-1 pour Lens. Guillaume Gillet. 2-1 pour Lens.
Yohan Lachor, le beau gosse. 3-1 Lens. 3-1 Lens. Moi, je dis 2-0 pour Lens. Allez. Bon. Allez, on termine. On va terminer, vous savez quoi, avec la vidéo du jour, la vidéo de même de ce week-end. On ne s'en lasse pas. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Allez, Lens, on se retrouve lundi, même heure. Enfin, non, pas même heure, 20h15, mais même endroit pour le débrief. Salut, mon Yo. Salut, Cyril. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, salut les amis. Ciao, ciao. Sylvain, salut, c'est un bon week-end. Ciao, les potos. Ciao. Allez, mais merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. On se quitte avec ça. Hugo, Loris, Mike, Maignan. Défenseur, Jonathan Clauss. Lens Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, évitez les bouchons et prenez le bus pour aller au stade. Plus d'infos sur tadao.fr.